Bonjour à tous, Coucou. c'est Lolo Dil, donc qui dit dimanche dit ben, qu'on est Dimanche. lundi en fait, car hier on n'a pas pu faire de randonnée parce qu'on avait des occupations, et puis il y avait un match de rugby aussi, donc voilà. Donc nous sommes le lundi 15 février, donc mi-mois, voilà. Nous sommes entre Puy-la-Roque qui est dans le Tarn-et-Garonne. Donc Puy-la-Roque, c'est à 33 km à peu près de Cahors, là où on habite, donc on n'est pas très loin. Voilà. Puy-la-Roque, et nous sommes à 15 km de Caylus. Donc, ouais. Donc petite randonnée du jour, donc 11 km annoncés avec 180 km de dénivelé. Et donc nous ne sommes pas partis du village de Puy-la-Roque, car nous sommes, si vous voyez derrière moi, à la chapelle Saint-Symphorien. Voilà, je vais vous montrer. Et voilà. Donc c'est une chapelle qui date du XIIIe siècle et qui est en pleine nature. Voilà, vous avez que la chapelle. Il n'y a rien d'autre. Voilà, là, vous la voyez, l'arrière de la voiture. On est arrivé par cette petite route. Donc il fait un temps bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là c'est le chemin du départ de la randonnée. Et je ne sais pas si vous voyez ce temps. Ah, du soleil. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas l'habitude. Il se passe des trucs bizarres. Donc Ouais. voilà le temps qu'il fait. Je Bon, pense qu'on va se régaler. il fait frais hein, quand même, hein, il faut le Et un dire. petit vent froid. Bon, un petit vent frais, bon. Mais ça va bien se passer. Oh, il n'y a pas de raison. Voilà. Avec un temps comme ça. Donc c'est parti, 11 km, 180 mètres de dénivelé. Bon, normalement c'est une randonnée assez nature. Et après, bon, il y aura patrimoine après quand on sera au village de Puy-la-Roque. Il y a des choses à voir apparemment, donc on va y D'accord, aller. sympa. Et voilà. Donc ben, écoutez, on vous dit à tout à l'heure. Bisous. À plus. Voilà, après s'être détourné du chemin de rando que je vous explique. En fait, on est arrivé donc, sur le chemin qu'on vous a montré tout à l'heure pour partir, et il s'est avéré que c'est un ruisseau. Mais un ruisseau Sur pas mal, sur pas mal de mètres. Donc, ben, en fait, on a fait du hors-piste. Donc, on a fait 1 km au milieu des ronces, des arbres avec tranquillité. la mousse et tout. Et là, on vient de rechoper un chemin. Bon, là, je vous montre le point de vue. Ça valait le coup quand même. On vient de. On n'aurait pas dû passer par là normalement, mais on vient de rechoper un chemin qui va nous ramener à une partie de la rando. En fait, on a évité le. Sinon, ben, là, c'était. On n'avait pas pris les chaussures pour marcher dans l'eau. Donc, on n'avait pas prévu de marcher 2 ou 3 km dans l'eau. Oui. Voilà. Voilà, mais enfin, bon, on n'aurait pas vu ça. C'est quand même pas Ça mal. aurait été dommage. Voilà, comme vous constatez, il y a un petit peu de vent. Ouais. Bon, Mais du pas coup, on trop. va continuer à essayer de rechoper le chemin de la randonnée. Si on y arrive. Ben oui. Si vous ne me voyez pas sur Facebook,
dans 6 heures, appeler les pompiers. Oui. Non, je plaisante. Et voilà, donc on va continuer à faire les cons. Donc là, on va passer de l'autre côté du mur, on va continuer le chemin et essayer de récupérer le chemin de la randonnée. Bisous. Coucou. Donc on a fait 8 km et demi. Il est 13h45. Donc du fait qu'on a fait 1 km dans la première heure, pour éviter, en fait, si vous voulez, c'était un genre de chemin comme ça, mais c'était un torrent, quoi, tout simplement. Là, c'était pas des flaques, c'était carrément le ruisseau était dans le chemin, donc ça a été impossible. Donc, bon, malheureusement, j'ai pas pensé à prendre des photos. Ouais, on n'y a pas pensé. Mais bon, donc là, il est 13h45, donc ben, on s'arrête pour manger un peu. Donc, on ne sait pas combien il nous reste. Bon, à mon avis, encore. Au moins 4 km, ouais, je pense. Ouais, si c'est pas oui, mais on repart au point là. Ouais, non, donc là, on est sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. On a enfin rattrapé quand même. Il nous a fallu bien crapahuter quand même. Donc là, c'est le casse-croûte qui arrive. On a bien mérité quand même. Et voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez au fond, mais c'est plein d'eau. Plein d'eau, ouais. Les champs sont pleins d'eau partout. Bon, ce qui est normal, hein, il fait beau que depuis hier, donc l'eau elle va pas s'assécher. Faut pas rêver. Et puis le ruisseau il est pas loin. Donc on a trouvé un petit coin sympa. Alors, on montre la bestiole. Sandwich au chorizo. Et au beurre. Et cornichons. Et cornichons. Oula, c'est la fête aujourd'hui. Voilà, le petit siège. Et 5 euros à Décathlon. Hein. Mais c'est pratique, on peut s'asseoir partout. Même si c'est mouillé, c'est pas un souci. Même si c'est froid. Parce que, bon, c'est pour madame, hein, voilà. Oh, tu vilais. Et après, donc, petit cake figue châtaigne que j'ai confectionné hier soir. Voilà. Hier soir, ouais. Après la peinture, j'ai fait le cake pour aujourd'hui pour la rando. Voilà, on va manger. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous ferai un petit film là sur pendant qu'on marche. Allez, bisous. À plus. Hello. On continue notre petit chemin. Donc là, on revient un peu là. Civilisation, on n'a croisé personne. Je crois qu'on a entendu un chien aboyer encore. Oui. Vous voyez un petit peu le point de vue. Qui est sympathique. Donc on était descendu et on est remonté. Ah bon, on a du mal à se repérer un peu par rapport au fait qu'on s'est trompé en début de rando. Enfin, qu'on ne s'est pas trompé, non. On est parti hors piste pour éviter le ruisseau, pour marcher pendant 2 km dans l'eau. Donc il a fallu qu'on fasse un petit détour. Donc du coup, logiquement, là, on serait à 200 mètres de l'arrivée. On devrait, je crois qu'on est à 10 km et quelques, donc on devrait être pas loin de l'arrivée. Là, on n'y est pas encore. Donc... Vous verrez le chemin, je crois qu'on a fait un tour et un retour. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On a vu le chemin avec, qui était bordé de petits cairns, c'était magnifique. Qu'on n'aurait pas vu, qui n'était pas prévu de passer par là pour la rando. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Voilà. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit. Bon, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou. Coucou. Voilà, donc nous sommes à Puy-la-Roque. Donc à 15 km de là où on a fait la randonnée. Donc ben, si le chemin n'avait pas été inondé,
Eh bien, on serait déjà arrivé depuis un petit moment, puisque à l'arrivée, on a fait donc 2 km à peu près en plus. Bon, pas très grave. Pas énorme. Magnifique. Enfin, superbe randonnée, franchement. Très belle. Ouais, super. Après, on a fait 200 mètres, un peu plus de 200 mètres de dénivelé, mais bon, ça, c'est pas. Le coin n'est pas trop plat, de toute façon, par chez nous, donc ça, c'est pas très grave. Mais bon, superbe randonnée, franchement. Ça doit être frais l'été. Bon, là, il y avait des petits ruisseaux, mais bon, vu tout ce qu'il a plu, c'est normal qu'il y ait de l'eau. Ouais. Voilà. Et en fait, ben, le chemin, dès le départ, quasiment, on a fait un kilomètre à peine, et même pas un kilomètre. À peine on arrivait au niveau du chemin, que le chemin c'était le ruisseau. Donc voilà. Donc on a crapahuté, on est passé à travers les broussailles. Et... Bref, on est monté, on a réussi à rechoper le chemin. On a tourné en rond, donc d'où les 2 km. Et on a retrouvé notre chemin de randonnée initial. Voilà, donc on a fait très belle randonnée. Le département du Tarn, il y a de quoi faire aussi également. Ouais, ouais. Voilà. C'est sympa aussi. C'est très joli. Je vais vous montrer un petit peu derrière moi. Voilà le petit point de vue, donc sympathique. Ouais. Et on est sur les hauteurs. Donc le temps s'y prête. Et voilà. Voilà, donc on va vous laisser ici. Là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et on vous dit sûrement à vendredi, car ce week-end, ça va. Enfin, c'est possible, mais bon, je pense qu'on la fera plutôt vendredi. Surprise, on vous le dira. De toute façon, c'est dans le lot. Il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Ce sera une courte, mais dure. C'est court, mais ça crapahute un peu. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave. On vous souhaite une bonne fin de semaine. On vous fait de gros bisous. Ciao. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de parler de nous. On fait ça pour le plaisir. On essaie de vous montrer les beaux paysages de notre région. Oui. Pour l'instant. Oui. Et puis après, on vous en montrera d'autres sûrement. Allez, bisous. Ciao. Salut.